L'absence de Dita Von Teese le vendredi 5 novembre dans Danse avec les Stars a-t-elle joué en sa défaveur hier soir? Après avoir été victime de violents vertiges, la reine du burlesque a été obligée de se reposer pendant plusieurs jours. Impossible pour elle de s'entraîner autant qu'elle l'aurait souhaité. Impossible aussi de corriger les petites erreurs que lui avaient fait remarquer les juges. Ce vendredi 12 novembre dans Danse avec les Stars, l'ex-femme de Marilyn Manson est sortie de sa zone de confort en réalisant une samba et un jive. De danse qui n'ont malheureusement pas convaincu les juges, qui ont décidé de l'envoyer au face-à-face. Opposée à Aurélie Ponce et à Michou, Dita Von Teese n'a pas réussi à faire la différence et a été éliminée. Un départ qui a provoqué la colère des internautes. Certains même se sont demandé si Christophe Licata ne se doutait pas de leur élimination. Vu le discours qu'il avait prononcé quelques minutes plus tôt, je voulais en profiter. Je fais un gros bisou à ma sœur Céline, Marie, mes parents, ma famille, les gens qui nous soutiennent. Je vous remercie, ça nous booste. Voilà, je voulais le dire, a prononcé le mari de Coralie Licata juste après sa deuxième danse. Au lendemain de son élimination de Danse avec les Stars, Christophe Licata a pris la parole sur Instagram. Et le danseur a l'accent chantant est loin d'être rancunier. Tout ce dont je me souviens, c'est de notre rencontre. On quitte la compétition et pourtant je me réveille ce matin avec un sentiment de victoire. J'ai comme l'impression d'avoir fait un beau rêve. Et ça, c'est parce que je t'ai rencontré Madame Rêve Dita Von Teese. Je suis très fière de nous. La tête haute. Notre amitié c'est mon trophée. A écrit Christophe Licata sous un magnifique cliché où Dita Von Teese l'enlace. Après avoir remercié l'ensemble des équipes de Danse avec les Stars, le danseur a adressé un message aux quatre couples encore en compétition. Bonne chance aux copains, mais qui va remporter les Squid Game? Bonne chance à tous. A-t-il répété. Un message qui donnera certainement le sourire à Dita Von Teese, qui ne s'est pas exprimé depuis son élimination. Cliquez ici pour découvrir la publication.